Oui, donc là, on a mis l'accent sur la vigne et le vin parce que c'est une première mondiale, mais vous dispensez également des cours sur la culture et l'écriture numérique. Deux MOOC, les cours ont commencé il y a une dizaine de jours. Combien avez-vous d'inscrits? Alors, pour la vigne et le vin, il y a plus de 1600 inscrits partout dans le monde. Ça va du Chili, l'Italie, la Croatie, l'Écosse, la France, évidemment, l'Italie. Donc, tous les passionnés de vin se sont donné rendez-vous sur ce MOOC. Et pour la culture et l'écriture numérique, il y a aujourd'hui à environ 250 personnes de partout dans le monde aussi, on peut dire, principalement francophones et également des Africains. Est-ce que ça répond à vos attentes ? Alors oui, voire ça les dépasse. On ne s'attendait pas à avoir un succès tel. Et bien sûr, on est très content d'avoir autant de participants et d'apprenants et de toucher aussi. C'est pas facile de faire des formations en ligne, mais de voir que ça fonctionne, c'est très heureux. Pourquoi justement ce n'est pas facile ? Alors le numérique, comme c'est ouvert à tous, chacun peut, on peut dire, s'approprier ou pas les outils. Alors s'inscrire sur une plateforme de MOOC, c'est pas très difficile. Il suffit simplement de savoir si vous avez déjà créé une adresse internet, vous saurez vous inscrire à une plateforme de MOOC. Après, c'est au niveau de la navigation, eh bien vous devez avoir un petit prérequis numérique. Et voilà. Après, on s'habitue très vite à tout cet environnement, mais il faut être un petit peu habitué à cet environnement. Il n'y a pas de compétences requises ou sinon de diplômes pour participer aux différentes formations ? Alors non, au contraire. Comme justement un des hauts de MOOC, c'est ouvert à tous. Ce sont surtout des sensibilisations, des découvertes, des vulgarisations. Vous voyez, c'est des enseignants-chercheurs de l'université qui ont rendu accessible leur savoir pour tous, pas seulement rester sur l'établissement et les différents volets de recherche qu'ils font en général, plutôt en milieu fermé, avec des professionnels et dans leur domaine, mais c'est vraiment l'ouvrir à tous. Et en plus, ce sont des formations à courte durée, elles durent 5 à 6 semaines. Oui. Pourquoi ? Parce qu'au-delà, on ne s'engage pas au-delà. Les études ont prouvé que, d'ailleurs, il y a des MOOC qui durent 8-13 semaines et que, on a un certain recul par rapport aux Américains, ceux qui ont commencé. Des MOOC trop longs, les gens ne les suivent pas. 5-6 semaines, c'est l'idéal. Et il y a un diplôme dispensé à l'issue de ce MOOC ? Alors, certains MOOC délivrent des attestations de suivi, des attestations de réussite. On peut également gagner des badges et à la fin avoir un diplôme. Mais aujourd'hui, comme c'est nos premiers MOOC, on n'a pas encore fait le volet certification. Donc, pour le moment, pour ces premiers MOOC, il n'y aura pas de certification, mais on y songe. C'est la première pierre que vous mettez à l'édifice. Vous êtes amené à créer d'autres formations comme celle-ci ? Et oui. C'était le premier coup d'essai et il y en aura d'autres, oui. Et vous avez une idée des différents domaines que vous pourriez toucher ? Alors, ce sera plutôt au niveau de la vulgarisation scientifique, également au niveau peut-être des langues. Il y a peut-être des choses à faire aussi. Bien sûr, au niveau au niveau du numérique et du vin. Combien de sessions y a-t-il par an ? Parce que c'est quand même assez étonnant de commencer une formation là, maintenant, pratiquement à la fin de l'année. Alors justement, c'est là où les gens ont peut-être un petit peu plus de temps, où les examens sont finis pour les étudiants, les beaux jours commencent à arriver, on peut se mettre facilement à une terrasse de café avec sa tablette et visionner quelques vidéos, faire quelques activités. Et donc c'est une période où les gens sont peut-être un petit peu plus disponibles. Et les itérations prochaines, on compte en faire d'autres, peut-être sur d'autres plateformes. Là, actuellement, ils sont sur une plateforme européenne, peut-être qu'ils se seront transportés sur d'autres plateformes. Donc ce sera certainement à la rentrée. En septembre. D'accord. Je pense qu'on y reviendra. Je rappelle que vous avez mis en ligne donc deux MOOC, un sur la vigne et le vin et l'autre sur la culture et l'écriture numérique. Information complémentaire à retrouver sur nos pages internet. Merci à vous. Merci.